Marmaduke ? Oui, Ackroyd ? Je sors chercher le Times. Profitez-en pour nous faire du thé. Oui, Ackroyd. Une méchante petite chanson sans rime ni raison. Une bête ritournelle de 4 sous sans plus de sens qu'une comptine de Mother Goose, comme celle de Three Blind Mice. Celles-ci sont censées faire rire et danser les enfants. Les aider à dormir. Et tant soit peu rêver. Cette comptine-là ne servait qu'à faire peur. Faire peur aux catins dès que tombait le soir.
quand furtivement comme les souris, elles vont grappiller des miettes sous les murs où tous les chats sont gris. Pour trois miettes, elles retroussaient leurs jupons. Trois petits tours et puis s'en vont. Mais voyez-vous, depuis le 31 août de cette année 1888, le rasoir de Jack est devenu plus dangereux pour leur museau pointu que tous les pièges à souris. Il y a encore du sang par terre. La première à s'y être collée s'appelait Mary Ann Nichols. Dite Polly. C'est tout au moins elle que Scotland Yard a retenue comme première victime officielle. Cette fois-là, on l'avait croisée à l'angle d'Osborne Street et de Whitechapel Road à 2h30 du matin. Elle maraudait pour se payer un lit à 4 pence au foyer de Throat Street. Ça devrait pas tarder avec mon nouveau chapeau chic à ruban. Puis elle était passée sous le porche noir de Buck's Row. Et c'est le vieux George Crossan, allant décharger des caisses au marché de Spitalfields, qui avait buté en plein dessus, à deux pas de l'entrepôt d'écarissage de chevaux. J'ai d'abord cru qu'elle cuvait son jean, avant de me rendre compte que, bien qu'encore aussi chaude qu'un beignet, elle était déjà plus morte qu'un hareng sort. Et à y regarder de plus près, du sang noir suintait encore de l'entaille creusée sous sa gorge. Quelle heure qu'il était, votre honneur? C'est difficile à dire. L'aube était pas prête de se lever. Mais j'ai entendu le coq chanter. De toute façon, la belle affaire. On n'était pas à chicaner à une heure près. Et Polly Nichols, Polly Nichols n'était pas la première. D'abord, il y avait eu Fairy Fay. Mais son triste sort n'avait guère fait couler d'encre alors. Quand le labyrinthe devenait le galeuse enfermé entre Commercial Street, Brick Lane et Whitechapel, un meurtre de plus ou de moins ne valait pas triplette. On poignardait. On se vitriolait. Massacré à la hache sur le parvis de Christ Church sans que personne de l'autre côté de la Tamise ne s'en soucie. Les enfants. Les enfants se vendaient aux portes des taudis. Les famines leur apprenaient à nourrir les gibets. Alors qu'importait le sort d'une petite catin. Bien que décatie et fanée, une pâle lueur blonde éclairant la grise filasse de ses cheveux lui avait valu le surnom de Fairy Fay. En royaume des monstres, le moins mal gracieux fait figure d'archange. Et ce sont peut-être ces cendres d'apparence qui attirèrent sur elle le regard de l'assassin. Chacun fêtait Noël. Elle sortait, ivre jusqu'aux os du pub de Mitre Square. Une horloge sonnait minuit. Ce n'était pas un jour ni une heure ordinaire. Disons que la neige de Noël fait tout ce qu'elle peut pour voiler les misères de ses blanches scintillances. On sait bien que demain on se réveillera en train de patauger dans la boue des mirages fondus, mais pour l'heure, l'esprit de l'enfance illumine chaque fleuron. Et joyeux Noël, hein ! Fairy Fay trouva donc tout naturel que l'étoile des vœux descende vers elle. Cela ressemblait au petit luthion du réverbère qui sans cesse voltige et s'agite dans sa cage de verre. Ses paupières lourdes, hélas, papillonnèrent sous le pétillement léger des étincelles.
La lame pénétra profondément à travers les différentes couches d'étoffe avant d'ouvrir et forcer les mystérieuses barrières. Mais son agresseur beau fouiller, mettre son dessus-dessous le sage aménagement des organes rangés l'un contre l'autre, tirer sur le jeu de lois caoutchouteux des intestins, écarter les spongieuses et élastiques viscères, il ne trouva rien. Rien du grand pays qu'il cherchait. À moins que celui-ci ne mente. À moins que celle-là, malgré sa mèche de vieille fée, n'eût rien à cacher. Dans les entrailles des contes se nichent de grandes frayeurs et bien des souffrances. Les filles de l'ogre en savent quelque chose. Fairy Fay et Pauline Nichols aussi. Près de 9 mois plus tard, le 8 septembre 1888, exactement, au fond de la cour du 29 Andbury Street, Annie Chapman, plus connue par les filles du quartier sous le sobriquet de Da Annie, écrivit un autre chapitre de notre histoire avec son propre sang entre 2 et 5 heures du matin. Rapport d'autopsie, Annie Chapman. Samstag, den 8 septembre. Samedi 8 septembre. 1888, 14h tous. L'abdomen a été entièrement ouvert. Les intestins séparés des ligaments mésentériques qui ont été sortis et des possessions les portes du cadavre. À quelle épaule ? De l'inque. À gauche. L'utérus entre les apendices, ainsi que la région supérieure du fachin. Fachin comme vagin. Fachin comme fachin. Et les deux tiers postérieurs de la vessie ont été complètement enlevés. On n'a pu retrouver qu'une trace de ces organes. Mais c'est pas l'eau. Les incisions, produites par un mèzre d'environ 5 pouces de long, étaient franches. Elles avaient cuité les rectums. Mais d'un sens, tant mieux. Et la division du fachin avait été effectuée suffisamment basse pour ne pas endommager l'école de l'utérus. Merci, Herr Dr. Phillips. Oui, merci. Les couteaux n'auraient pas mis fin à ces jours. Que la tuberculose s'en serait chargée de toute façon. La tuberculose, c'est un cacoute. Vous avez compris la blague, hein? Quelle triste boutade. Mais cette triste boutade appelait à l'épouvante. La terreur s'engouffra par le boyau de la Tamise et gonfla par-dessus les quais et submergea la cité. Cette terreur était une ombre fluide et noire qui filait entre les doigts pour se reformer plus loin, grossie de chimères et de substances gluantes, puisée à même l'âme des trottoirs. Cette terreur n'avait pas d'apparence. Elle n'avait ni voix, ni nom. La presse les lui offrit par l'intermédiaire d'un de ses scribes qui lui prêta sa plume. Jacques le Ripper! Jacques l'éventreur. Jacques l'éventreur. Peu de croque-mitaines, d'ogres et de géants peuvent se vanter d'un titre aussi évocateur. Et ce n'est pas un pauvre petit pousset qui parviendrait à le tromper, à lui dérober ses bottes et à le maîtriser. Alors, pas plus d'ailleurs que le général Charles Warren, chef suprême de la police métropolitaine, une vieille baderne tout juste bonne à exhiber ses moustaches sur l'hippodrome d'Ascot, mais que la gentry admirait depuis que l'année passée, il avait chargé à la tête de 4000 constables et de 300 grenadiers une pauvre petite manifestation de chômeurs affamés sur le Trafalgar Square. Alors, tout fut réglé en quelques minutes. Et 200 marcheurs de la faim se firent casser la tête comme ils le méritaient. Quelle formidable victoire que celle de ce Bloody Sunday. Pardon, je m'égare. Revenons à notre loup dévoreur de brebis, égaré elle aussi. La solution imparable de Sir Charles Warren pour débusquer Jack l'éventreur, la voici. Lâcher 2 superbes spécimens de nos chiens lignés anglais, réputés pour leur flair incomparable, dans les rues de Whitechapel. Résultat, les chiens se sont perdus. Une récompense est d'ailleurs offerte à qui les ramènera au bureau de Scotland Yard. La reine! La reine Victoria s'inquiéta de ce que les débordements du dépeceur de filles perdues n'aient suscité de méchantes rumeurs au-delà des frontières. Oh, mais vous, il me faut
un coupable. Oui, un bon vieux coupable, bien tangible, bien pendable. On en trouve un au pied levé. Allez, hop. Il mesurait 5 pieds 4 pouces. Son visage au teint sombre n'était pas agréable à regarder en raison des poils noirs et hirsutes de près d'un pouce de long qui lui couvraient presque toute la face. Ses lèvres étroites avaient quelque chose de cruel et de sardonique. Sa tête large s'attachait au corps par un cou épais et lourd. L'ogre surnommé Lethal Apron. Tablier de cuir en français. S'appelait en fait... John! John Peter! Mais c'était un juif polonais de 33 ans qui fabriquait des chaussons de danse. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait bien de l'assassin. Ben pourquoi? Parce que plusieurs chapeaux de feutre noir et un grand nombre de couteaux à longues lames aiguisées avaient été trouvés en sa possession. Et drôle d'outil entre les mains d'un cordonnier pour batterie. Allez donc voir au bout d'une corde, on va te faire valser. Tablier de cuir est arrêté, la rue sera jugée, le tira coupable et votre honneur, quand il faudra qu'il meure. À une branche bien attachée, au bout d'une corde, il va danser. Tablier de cuir passe à lancer, l'oracle bien tanné. Un douteux témoignage lui évita le gibet. Oh mais non. Oh bah si. Était-il coupable? Ne l'était-il pas? Cette histoire ne le dit pas. Mais on prêta le sac à scalpel et la défroque de Jack encore à tant d'autres. L'assassin est très certainement le chirurgien barbier polonais Erwin Klosowski. Qui de toute façon fut pendu pour avoir assassiné ses trois épouses. Ce qui n'est pas bien, même si on est chirurgien barbier polonais. Moi, je suis sûr que c'est ce drôle de coco. Amis le Ruskov, du nom d'Alexandre Pedachenko. Mais non, c'est l'occultiste Roselindersen Stevenson et ses cravates sanglantes. Qui était-ce parmi tous ces suspects? Qui était l'éventreur de Whitechapel? Moi, c'est l'avocat, Montague John Jute, dans la bibliothèque. N'importe quoi. C'est le médecin de la reine, Sir William Gold, dans la cuisine. Avec le chandelier! Non! Je suis catégorique! C'est le démon Aaron Kosminski dans la salle de bain avec la clé anglaise! Sottise! Pour moi, c'est le locataire canadien J. Wentworth Smith qui vouait aux flammes de l'enfer toutes les petites catins sans espoir de ciel! Et pourquoi pas le prince Albert Victor, du duc de Clarence et la Vendelle pour en conduire? Ou plutôt son amant, le poète James Kenneth Stephen! Bande de suspects plausibles! Et pas la trace d'une certitude. Quel dommage. D'autant que d'autres cadavres fleurissaient déjà à l'ombre des ruelles crasseuses. Quel dommage. 4 rimes avec catin, 3 rimes avec lui. Mettre à la ville en feu, il en reste 2. Ces deux-là. Ces deux-là s'appelait Elizabeth Longley Stride et Catherine Eddowes. L'une tapinait à Burner Street et l'autre à Mitre Square. À 1 kilomètre d'Embrouillamini, d'impasse et de ruelle l'une de l'autre. Mais en moins d'une heure de distance, leur destin allait se rejoindre sous le couteau de Jack. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Quand il pleuvra plus, ce sera la fête à mon cul. Pourtant, Longley Stride n'a pas le cœur à chanter. Cette nuit morose, pluvieuse, venteuse n'incite pas le client à jouer les matous. On est que le 30 septembre, mais ça sent déjà l'automne. Et pas les automnes secs et roux de sa belle Suède natale, non, non. Ce interminable et grippeux de l'East End. Bon, il est quelque chose comme minuit et des ronds de chapeau. Et le seul patachon qu'elle a pu croiser et alpaguer l'a jeté à terre à coups de pied. Bah, c'est pec qui ongle en avant que la vie s'est défendue. Sans quoi il lui aurait tout volé. Jusqu'au paquet de noix de cajou qui, arrosé de gin, fera sans doute tout son repas. Les bleus sur sa hanche ankylosée. L'Anglaise chemine
L'anglaise trottine le long du mur sur lequel est assis. Humpty-dumpty. Two sticks and an apple, says the bells of Whitechapel. Humpty-dumpty. Ou quelqu'un d'aussi petit, et qu'elle n'arrive pas à distinguer dans le noir, mais qui, à l'instar du chat du Cheshire, lui sourit. Quick. Et le couteau sur le cou de l'onglise. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Vite, vite, il se presse et s'empresse autour du cadavre de l'onglise. Mais une petite voix dans l'oreille, sous un froissement d'aile, l'avertit. Vite, vite, il n'est plus temps de chercher. Quelqu'un vient, hâte-toi. Laisse-la sur le pavé. Tu n'auras pas le temps de trouver la petite étoile des mers. Twinkle, twinkle, little star. Oh, I wonder what you are. Et c'est un habitant du quartier. Un voisin d'origine russe, nommé Louis Dinschutz, ou plus exactement son cheval, qui a découvert le cadavre de l'onglise. Je suis colporteur, votre honneur. Je vends des boîtes à musique, des bijoux, des boutons de plastron. Ce soir-là, le mauvais temps avait refoulé les vieux ratons et les souris coquettes dans le même panier. C'était peine perdue d'espérer faire un penny. J'ai emballé la culotte plus tôt avec dans les... des... d'aller boire une pinte de bière. Il fait noir comme dans un four, hein, quand je pénètre dans la cour de Belfast. La seule lueur qui éclaire les murs de briques noires provient de l'unique fenêtre du club. Il était 1h du matin. Ben j'ai entendu le coq chanter. Et mon poney a fait un tel écart qu'il a bien failli me renverser. Quand je me suis approché pour voir ce qu'il avait effrayé, bah c'est là que j'ai aperçu le tas de chiffons. Le tas de chiffons, c'était moi. Une de ces petites catins sans espoir de se... Il y avait au moins un demi-gallon de sang par terre. Quand j'ai touché le corps, j'ai bien vu qu'il était encore tout chaud. Ça venait d'arriver. C'est sûrement moi et mon attelage qu'on a fait décamper Jack avant qu'il puisse terminer ses horreurs. De petits catins qui frissonnent de peur. Au fond d'un chapeau attendent le jour. Le couteau de Jabri, il n'en reste qu'une. C'est horrible. Ça va l'être plus encore. Car, au lieu de fuir les lieux, au lieu de regagner sa bouche pour y digérer son crime, Jack, insatisfait, à plusieurs pâtés de Toby plus loin, a volé le poison. Jack va recommencer, et cette fois-ci, crescendo. Venez vite, il y a encore une femme coupée en morceaux. Le corps de Catherine Eddowes est allongé sur le dos, la tête tournée sur le côté, les bras écartés, les paumes en l'air en geste de supplication. La gorge est profondément tranchée sur une longueur d'environ 18 cm. Un dé à coudre est posé à terre, près de la main droite. Le chat de Catherine Eddowes. Le chat de Catherine Eddowes est noué de façon lâche autour de son cou. Un morceau de ce châle sera retrouvé un peu plus tard, à 2h50 du matin, par le constable Alfred Long, devant le sommet de Gloucester Street, couvert de sang et de matière fécale. Jack a essuyé dedans sa lame assassine. Les tarots de la nuit sont cruels aux filles sans destin. Écoutez cette histoire. Moins d'une heure avant la découverte de mon cadavre, moi, Catherine Eddowes, j'étais détenue au poste de Bishopsgate sous la juridiction du Major Smith.
On m'avait arrêté pour ivresse et scandale sur la voie publique dans la soirée. J'ai conduite au commissariat pour y cuver mon vin. À minuit et quart, je m'étais réveillée. Et mise à chantonner ma rengaine préférée. Sweet violets, sweeter than the roses, all over from head to toe, covered all over with sweet violets. Quand est-ce que je serai libérée? Quand tu seras capable de marcher toute seule. Allez. C'est bon. Tu peux y aller. De toute façon, à l'heure qu'il est, tous les pubs sont fermés. Puis il m'avait ouvert la cellule. Et conduite à la porte. Les tarots de la nuit sont cruels aux filles de la lune. Catherine Eddowes s'était alors dirigée vers Mitre Square dans l'espoir d'y faire une passe à un shilling et six pence. Toute sa fortune. Les anges. Les anges, au lieu de veiller aux flèches des cathédrales, devraient plus souvent mouiller leurs pieds diaphanes dans la fange des époux. Mais c'est justement l'un de ces anges que Catherine Eddowes a cru apercevoir perché sur une gouttière. C'est probablement pour cela qu'elle est tombée à genoux sur les pavés, les paumes en l'air en geste de supplication. Le bon cœur du planton de la prison de Bishopsgate s'est trompé. On lui regardait Catherine Eddowes au chaud derrière les barreaux. Il l'envoie, attendri par sa propre générosité, entre les pattes du bourreau. Oui. Violet, sweeter than the roses, covered all over from head to toes, covered all over with sweet violets. Rapport d'autopsie de Catherine Eddowes, Sonntag, den 30 septembre. Dimanche 30 septembre. 1888, 1537. Le visage a particulièrement souffert. Une incision à travers la paupière a tranché l'œil gauche. Une autre similaire et parallèle l'œil droit. Comme ça, c'est équilibré. Le nez, découpé en travers, jusqu'à séparer la chose en deux. Plusieurs coupures sont constatées sur les lèvres. La peau des choux est partiellement pelée. Cet acharnement sur le visage de Catherine Eddowes était-ce par sauvagerie ou... Ou bien à cause de l'agaçante petite voix qui, pendant qu'il œuvrait sur le cadavre de sa victime, tout en bourdonnant, se moquait et répétait... Godiche, un côté, mais la chasser comme une mouche, elle tourbillonnait, elle revenait le harceler, le taquiner, lui faire la nique et les pieds de nez. Trop pique-nique-toi, c'est toi l'andouille. L'abdomen est complètement ouvert du sternum jusqu'au pupille d'une seule incision, se dirigeant de pas vers le haut. Les foies comme le foie, a été poignardé avant de recouper à tes reprises. L'aile, les pancréas, l'artère rénale gauche et la paroi du péritoine ont été tranchées. La matrice a été enlevée et emportée par l'assassin, mais il reste environ 5 cm attaché au corps. Ça va alors. Les veines gauches est soigneusement coupée et a également disparu. Verschwinden! Oh, quelle jolie langue. Merci, Herr Dr. Phillips. Ah oui, merci. Et de chaque. Tous ces morceaux d'intérieur de femme. Tous ces morceaux d'intérieur de femme. Nous autres petites catins sans espoir de ciel. On n'a que notre peau pour fortune. Mais comme si c'était encore trop. C'est maintenant nos entrailles qu'on dérobe à la lune. Tous ces morceaux d'intérieur de femme. S'agissait-il de trophées? Non, dans ce cas, une tête, un scalp aurait mieux fait l'affaire, non? Tous ces morceaux d'intérieur de femme, il les emportait avec lui, oui, mais... pour les étudier de plus près. Ce n'est pas de froid, c'est mon docteur Jack avec son long couteau. Ils sont
lugubre ne trouva-t-il ni dans les entrailles de Longlise, ni dans celles de Catherine Edo ce qu'il cherchait, puisqu'il allait recommencer. Dix petits catins, sans espoir de ciel, une glisse dans une plaque rouge, il en reste neuf. Neuf petits catins jouent au bout de ficelle. Pour l'amour du ciel, non, ma duke, veuillez fermer la fenêtre. Cette petite chanson sans rime ni raison me chavire le cœur. T'adore cette rengaine qui pousse comme les coquelicots des fossés, et cependant le florilège des rues. C'est la peur et l'angoisse des muses de réverbère que ces refrains traduisent. Il me semble trouver là plus de justesse et de vérité que dans toutes les élucubrations de la presse. Ce n'est pas une complainte, c'est un résumé. Des crimes de Whitechapel ? Sous ce rébus boiteux se dessine un portrait. Mais ce n'est qu'une comptine. Une serinette de nounou. Tout à fait, mais on dirait qu'elles savent. Qui ça ? Les dix petites catins sans espoir de ciel. Quoi donc ? Qui est Jack l'éventreur. Vous voulez dire qu'elles le connaissent ? Intuitivement, comme les mamans devinent. Vous faites bien des mystères. Le couvrirait-elle ? Comme les mères qui pardonnent et consolent. Quelle sorte de mère serait capable de cela ? Celle qui pleure les enfants perdus, tombés de leur berceau, envolés par les fenêtres, et qui regrettent les baisers et les câlins qu'elles n'ont pas pris le temps d'offrir. Que chantez-vous là ? Une bien triste berceuse, à croire, une bien triste berceuse. Vous voulez dire que vous savez aussi ? Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, à croire. Mais encore ! M'éclairerez-vous ? Peut-être. Mais d'abord... résumez-moi l'affaire. Elle est diabolique. Soit. Mais maintenant... oubliez. Oubliez. Oubliez les manchettes et les gros titres des journaux. Et racontez-moi... l'histoire. Ce n'est pas une histoire. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. En revanche... laissez-moi vous dire que je trouve une fois de plus vos propos déplacés en ce qui concerne ces crimes sordides. Ce n'est pas une histoire, mais des faits suffisamment horribles pour ne pas y rajouter les balivernes. Il s'agit de cinq malheureuses, peut-être même six ou plus, honteusement éventrées, découpées, dépecées. Au nez et à la barbe de je ne sais combien de détachements de police. Ce tueur est le diable en personne. Il mettra la ville en feu. Il en reste deux. Oh, je vous en prie. Ce n'est pas le moment de galéger tout détective des faits que vous êtes. Loin de moi l'envie de plaisanter. J'essayais juste de vous replacer au cœur de la chanson. Mais rendez-vous compte, Marmaduke. Ces deux derniers meurtres. C'est à ne rien comprendre. Puisque c'est incompréhensible, racontez-moi l'histoire. Deux femmes. Assaillies dans un périmètre pas plus grand qu'un mouchoir de poche. Sillonné en tous sens, non seulement par des pelotons d'agents, mais encore par les patrouilles du comité de vigilance de Monsieur Loss. Bon, il tue ici. Et à peine une demi-heure plus tard, il tue là, sans être remarqué. À croire qu'il se déplace par les toits. À moins qu'il ne sache voler. Bien, à croire, continuez, continuez. Comment peut-il aborder une prostituée apeurée sans l'effrayer? Il doit inspirer confiance. Être charmant, comment ne pas le suivre? D'une ruelle, d'un recoin de porte. Comment peut-il prendre le risque de les ouvrir en deux, alors que n'importe qui peut à chaque instant passer par là? Ou alors ils sont deux. L'un fait le guet, tandis que l'autre charcute. Jack et Jill, hein? Jack et Jill, comme dans la Madagouche Melody. Jack et Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came running after. Continuez, après. Continuez. Que dire de son habileté à manier le couteau ? Précisément, entendez-vous ? Je ne sais pas que c'est un barbier, un avocat, un communiste ! Alors, Akroyd ! Alors, c'est un chirurgien, c'est un boucher, oui. Pourquoi pas les deux à la fois ? Égorgeant chacun leur tour, l'un veillant le travail de l'autre, main dans la main, tweedledee and tweedledum, tous deux jouissant de leur don d'ubiquité ou d'invisibilité, à moins qu'ils ne profitent des ailes de quelque archange déchu. Vous vous moquez ? Non pas, mon ami. Non pas. Vous avez l'air... vous avez les paroles. Vous avez la chanson.
Mais vous oubliez le petit garçon que vous fûtes un jour, et qui, lui, savait la chanter. Vous n'avez rien fait que me narrer des faits, sans me raconter l'histoire. L'histoire que je vous réclamais. Vous avez omis de commencer par « Il était une fois ». Frileusement, vous demeurez sur la rive sans oser l'enjamber et traverser le miroir. Quittez la forteresse néo-gothique et avancez. Avancez au-delà de la Threadneedle Street, en terra incognita, dans la jungle organique des commencements, dans la forêt des contes. Prenez garde à Croyle. On dit que le bûcheron qui y pénètre, le manche de sa hache, est déjà son ennemi. C'est le terrain de jeu des dieux élémentaires. Des fées. Des pirates. Des indiens. Des sirènes. Et des enfants innocemment cruels. Voici l'un d'eux qui survole la forêt de Whitechapel. Ils l'ont élu pour souverain car c'est le plus sincère. Le reconnaissez-vous, Akroyd? N'y a-t-il pas encore, en vous, quelque chose de lui? Vous l'avez reconnu. Mais vous pâlissez. Comme j'ai moi-même pâli en suivant sa trace de Mitre Square à Gladstone Street. Un instant, il s'est arrêté près de la fontaine de Dorset Street pour y laver ses mains et les pauvres organes dérobés qu'il serrait comme un trésor sacré. C'est affreux. C'était merveilleux. Il y a du minéral, du végétal, de l'animal en lui, et toute l'enfance du monde. Une sorte d'aura subtile, de clarté liquide et ombreuse nimbe chacun de ses gestes. Puis il a ri de toutes ses dents de lait. Un rire de mai et de muguet. Et dans un long cocorico, il a disparu dans le ciel étoilé. Et elle? Elle était là aussi. Oui. Brillante. Menue. Gracieuse. Pareille à l'un de ces soupirs d'enfant qui les font naître. Qu'avez-vous fait? Qu'aurais-je pu faire? Déjà depuis longtemps, comme les petites catins sans espoir de ciel, je savais. Depuis quand? Vous étiez là, vous aussi, à Croyle, en recueillant les indices. Le chant du coq entendu à chaque fois en pleine nuit, à proximité des lieux du crime. Le pauvre vieux dé à coudre cabossé retrouvé près du cadavre de Catherine Eddowes. Un dé? Un baiser? Ben, vous savez bien que pour se moquer de son ignorance, on lui a fait croire qu'un dé est un baiser. C'est un baiser qu'il a donné à sa victime en échange de ce qu'il lui a pris. Mais c'est épouvantable. Il n'en a aucune idée. Il tue ses femmes comme il pourfend les pirates de son île, du pays imaginaire. Il tue comme les enfants jouent à la guerre. Persuadé que leur rôle terminé, ces morts d'un instant se relèveront pour jouer à autre chose. Êtes-vous certain de ne pas vous tromper? Hélas. Et puis? Puis il y a eu la confirmation. La découverte de la poussière.
Vous souvenez-vous, Croy, de cette poussière grise que j'avais récoltée près des cadavres? Je l'avais placée dans une enveloppe. Je vous avais chargé de la faire analyser par un chimiste. Si je m'en souviens, oui, le chimiste m'a pratiquement insulté de lui avoir fait perdre son temps à analyser de la poudre de perlimpinpin, du rien, du vent. Non, je vous en demande une fois de plus, pardon, mais il me fallait cette confirmation. De la poudre, de rien. C'est-à-dire du pollen de fée. Volatiles et scintillants qu'elles distillent de par le battement de leurs ailes, c'était sa trace. Cette poudre de rêve qui permet de voler droit devant jusqu'au matin, jusqu'à Neverland, mais qui se fane et s'éteint dès que s'efface l'imaginaire. C'était sa trace. Et sa trace également le baiser qui manquait à chaque fois sur les joues des pauvres sacrifiés. Que voulez-vous dire, là? Ne vous souvenez-vous pas du sourire de Madame Darling? Ce cher James Matthew Barry m'a confié son manuscrit. Tom lui a raconté son histoire. Mais aucun éditeur n'en veut. Je lui ai conseillé d'en faire une pièce de théâtre. Mais il semble que le temps ne soit pas encore venu pour lui de s'y atteler. Laissons-lui quelques années de réflexion. Voici. Quant à la bouche de Madame Darling, si joliment moqueuse, un baiser y était posé que Wendy ne parvenait jamais à prendre. Il se tenait là, bien ostensiblement, au coin des lèvres, à droite. Monsieur Darling non plus n'avait jamais réussi à le dérober, et avec le temps avait fini par y renoncer. Ce baiser de Madame Darling que personne n'avait pu obtenir, ce fut lui qui le vola, et sans aucune difficulté. Étrange, n'est-ce pas? Et elle n'eut même pas l'air fâchée. Chaque femme possède l'un de ses précieux baisers. Même la plus avilie, la plus démunie et désespérée en garde précieusement un sur sa joue flétrie et fardée. J'imagine que c'est ce que vous cherchiez en vous penchant à chaque fois sur leur visage. Et à chaque fois, il manquait. Vous voulez dire qu'il l'avait enlevé? Je ne sais que penser. Malgré toute la confiance que je vous porte, tout ça ici, extravagant, abracadabra, je ne puis m'empêcher de douter. Mais connaissez-vous quelqu'un d'autre qui pousse de tels cocoricots, hein? Quelqu'un d'autre qui puisse traverser la city d'un coup d'aile, se mirer au cadran de Big Ben et l'instant d'après survoler les tombes de Highgate? Quelqu'un d'assez furtif pour se glisser entre les jambes des bobies et d'aussi attendrissant qu'il lui suffit d'un sourire pour convaincre les catins de lui tendre avec ravissement leur cou? Mais connaissez-vous quelqu'un d'autre qu'une fée accompagne partout? Une fée qui l'avertit au moindre danger et qui donnerait sa vie pour ses beaux yeux. Et connaissez-vous meilleur prêteur que lui? Lui qui trancha net la dextre du capitaine Jack Crochet. Et si c'est malheureusement celui auquel nous pensons, pourquoi fait-il cela? Par amour. Par amour. Tout simplement par amour. Et à cause des petites filles. Ces petites filles qui sont trop intelligentes, elles, pour tomber de leur berceau. Ces petites filles qui voulaient toujours en parler. En parler? Parler de quoi? Un beau jour, inévitablement, même en plein milieu d'un jeu, une attaque de pirates, la descente d'un torrent en plein voie indien, elle prenait soudain un air grave, et sans se soucier de briser l'exaltation du moment, elle parlait. Elle parlait des bébés. C'était à chaque fois le signal fatal. Et le cœur de Peter se brisait, car il devinait que cette compagne-là serait aussi éphémère que les autres. Que très bientôt, il devrait faire le chemin contraire pour la ramener dans cette chambre d'où il l'avait enlevée. Pourtant, Peter savait tellement de choses sur les bébés. Il savait que les bébés peuvent tout. Nager. Voler. Aller dans la lune, apprivoiser des baleines, chevaucher des licornes, parler aux sources, faire peur aux ogres, épouser pour de rire des sirènes, fabriquer des châteaux d'une poignée de terre, un galion d'une pincée de nuages, un monde d'une poussière de sommeil. Peter racontait. Quand le premier de tous les bébés se mit à rire pour la première fois, son rire se brisa en mille morceaux qui sautillèrent de tous côtés et devinrent des fées. C'est à cause de ces fables,
des récits de ses exploits et de sa flûte mélodieuse, que les petites filles s'envolaient par la fenêtre et le suivaient jusqu'à cet instant redouté de Peter, où, se souvenant que les filles sont bien trop intelligentes pour tomber de leur landau, elles s'assombrissaient. Ramène-moi à la maison! Peter avait beau les mettre en garde contre les mamans inconstantes, qui, une fois que l'on s'est envolé, referme la fenêtre à tout jamais et laisse d'autres enfants pousser à votre place, dans votre propre berceau, les avertir que grandir est très dangereux et que chaque fois que l'on dit « je ne crois plus aux fées », l'une d'entre elles meurt. Et qu'ainsi, les grandes personnes en ont fait mourir des milliers. Mais il avait beau dire, beau faire et leur offrir l'éternité, ces promesses ne montraient plus d'attrait. Elle préférait grandir, vieillir et mourir. Pour de vrai. Ramène-moi à la maison! C'est ce qu'avait fini par lui dire Wendy, qui l'espérait garder sur l'île pour toujours. Avant de quitter le numéro 14 où il la déposa, Peter demeura quelques instants sur le rebord de la fenêtre, à l'épier. Comprenez-vous, Macron? L'histoire. L'histoire est simple à résumer. Wendy grandit et obtint le prix d'excellence. Peter n'était plus pour elle qu'un peu de poussière sur le coffre où elle avait rangé ses jouets. Wendy était devenue une grande personne. Elle épousa en robe blanche et voile rose un certain Reginald Hargreaves. Mais de l'autre côté de la fenêtre, Peter a vu le ventre de Wendy s'arrondir. Ce ventre mystérieux au cœur duquel doit se cacher le secret qui pousse les petites filles à vieillir. Vous n'allez pas prétendre que c'est à cause de cela qu'il les déchire et les dévaste aussi douloureusement. Hélas, il n'a toujours rien trouvé. Il a recommencé, et cette fois c'est le bouquet. Le 9 novembre 1888, vers 2h du matin, la jeune Mary Jane Kelly rentrait dans sa chambrette. Elle allumait sa lampe à huile en chantonnant. Une heure plus tard, il n'y avait plus ni lumière dans ses yeux, ni chanson sur ses lèvres. Lorsque le policeman s'effaça devant eux, Marmaduke Pothuis et Ackroyd restèrent pétrifiés sur le seuil du 13 Miller's Court. Dans la chambre, les couvertures du lit sont arrachées, éparses sur le sol, mêlées aux vêtements lacérés. Sur le matelas imprégné de sang gît le tas de chair rouge que fut Mary Jane Kelly. Son bourreau s'est livré sur elle à une sorte de dissection systématique et abjecte. Le corps est allongé au milieu du lit. Toute la surface externe de l'abdomen et des cuisses a été arrachée. Les viscères ont été retirés de la cavité abdominale. Les seins sont coupés à leur base. Les bras mutilés de nombreux coups de couteau irréguliers. Et le visage. Le visage de Mary Jane Kelly est totalement méconnaissable. Les tissus du cou sont écorchés jusqu'à l'os. Les reins, l'utérus et un des seins se trouvent sous la tête. L'autre sein près du pied droit. Le foie entre les pieds. Les intestins à la droite du corps. La rate à la gauche du corps. Des lambeaux de chair de l'abdomen et des cuisses sont empilés sur la table. Le cœur, lui, n'a pas été retrouvé. Il a volé le cœur ? Mon Dieu, Patrick, il a volé le cœur. Vous devez le neutraliser avant qu'il ne recommence. Peut-être va-t-il s'arrêter là. Mais il ne trouvera rien dans ce cœur, vous le savez très bien. Sa quête est loin d'être close et vous seul savez où le trouver. La deuxième à droite, puis droit devant, jusqu'au matin. Nous pouvons le raisonner. Traiter avec lui et trouver un compromis. Allons-y. Où ça? À Kensington Garden, dans l'île Serpentine. Ils ont ailé un cave. Et l'attelage roule et gronde comme un orage sur les pavés.
Les sabots martèlent avec fracas et les coups de fouet sont les éclairs. À Croyd, par la fenêtre et à chaque avenue, interroge le ciel sans étoiles et les nuages désordonnés qui semblent effacer le passage d'un icare fugitif. Ils descendent à Marblegate, franchissent d'un bond la grille d'entrée du parc et longent la rivière Longwater que des cygnes blancs en cygnoyants ont transformé en onde d'argent. Au-dessus du vieux pont de bois qui enjambe la serpentine, un essaim de lucioles tourbillonne, va, vient, se pose et repart autour d'un lutin. Il ressemble au baiser de Madame Darling, vêtue de feuilles collées par la résine qui suinte des arbres. C'est l'esprit des lieux. Il en est la flore et la faune et le prolongement de l'âme secrète. Il tient du bébé, de la texture des roses, des sources. Voyez, mais que fait-il en riant et en sautillant ainsi dans le vent? Il porte un coquillage près de son oreille. Ce n'est pas un coquillage à croire. C'est le cœur de Mary Jane Kelly. Peter! Peut-être que si Aykroyd n'avait pas crié ainsi, rien de tout cela ne serait arrivé. L'effet luciole à nuit si fine ne se serait pas envolé. Clochette ne se serait pas précipité. Et Peter n'aurait pas brandi son poignard. Aykroyd n'aurait pas tiré cette balle doublement homicide. C'est un petit corps d'enfant aussi léger qu'une jonchée d'automne que serre entre ses bras le détective des fées. Un peu plus loin, agenouillé dans l'herbe assombrie, Aykroyd sanglote à l'unisson des présences d'alentour. La lune, si pâle voilée par les nuages, lentement se désagrège. Il a suffi d'un seul souffle de vent pour disperser les cendres de Clochette. Mais l'histoire n'est pas terminée. Car Marmaduke Pothwy connaît par cœur les aventures de Peter Pan. Il sait de quelle façon on fait renaître les fées et les enfants lutins. Souvenez-vous comment Peter s'y était pris lorsque Clochette avait donné sa vie pour lui. Vous en souvenez-vous? Peter pensait que Clochette pouvait être sauvée si tous les enfants proclamaient bien haut qu'ils croyaient aux fées. Il croit à Peter Pan. Il n'y avait pas d'enfant ici. Et c'était la nuit. Mais Marmaduke Pothwy s'adressait à tous ceux qui rêvent au pays imaginaire. Garçons et filles en chemise de nuit. Bébés peaux rouges suspendus aux arbres de leur berceau. Croyez-vous aux fées? Croyez-vous à Peter Pan? Si vous y croyez, criez. Criez. Ne les laissez pas mourir. Je crois à Clochette. Je crois aux fées. Je crois à Peter Pan. Et au milieu des clameurs du jardin, Marmaduke Pothwy criait le plus fort. I am a lost boy. From never done. Usually hanging out with Peter Pan, and when we board, we play in the woods. Always on the run from Captain Hook, the lost one. They said to me, away from all of reality. Fête de Bourrée.